Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est jeudi, aujourd'hui je vais aller faire mes cours, j'ai pas le choix. Bon là il pleut, donc au moment où on part il pleut. Bon tant pis, hein, on va bien se couvrir de toute manière. On va direct en bus, après c'est pas loin, donc bref. Voilà, donc là j'appréhende un peu d'aller faire mes courses, parce qu'en plus je regarde sur Facebook et la ville où je suis, à Auchan, les gens font déjà une queue de fou, de malade. Donc j'espère qu'à Carrefour ce sera pas pareil, autrement bah tant pis, hein. Franchement je fais pas mes courses aujourd'hui. Mais je trouve ça débile les gens qui dévalisent les rayons, c'est à cause de ça. Justement qu'il n'y aura plus rien dans les rayons, c'est parce que les gens ils dévalisent. Donc c'est pénible. Les magasins ils ont ce qu'il faut à l'arrière, mais forcément ils ont du stock. Mais au bout d'un moment ils n'ont plus de stock, c'est normal parce que tout, à chaque fois de ravitailler les rayons, bah forcément au bout d'un moment les stocks ils descendent et il faut attendre d'être relivré pour pouvoir refaire. Et voilà, du coup c'est des... Enfin, moi je trouve ça débile après. Hein, voilà. Donc là je prends Zoé avec moi, on va y aller. Ouais, on a le bus à 14h14, il est 14h05, alors on va se dépêcher. Et voilà, parce que je vais pas avec mon conjoint, parce qu'avec mon conjoint faire les courses c'est pas la peine. Lui c'est vite vite et moi j'aime bien regarder, donc voilà. J'ai aussi fait un nouveau compte, un nouveau réseau social, je vais essayer sur Snap. Donc je vous mettrai mon nom de Snap là. N'hésitez pas à venir me suivre également sur Snap, Instagram, etc. Bref. Bon allez, là je vous laisse parce que je vais passer aux toilettes, le temps de mettre mon manteau et tout. Et ben, pour pas rater le bus, il faut faire vite. Et pas oublier mon masque. Voilà. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Voilà tous. Bon là, on est sorti de Carrefour, on a l'arrêt de bus. On attend le bus, il est dans 18 minutes. On a dû attendre une demi-heure, mais bon. C'est comme ça, mais juste avant, j'étais au téléphone avec mon conjoint, donc du coup, voilà. Donc là, à Carrefour, ça va, il n'y avait pas trop de monde, il y avait du monde, mais... ça va, c'était raisonnable, pas comme à Auchan où j'ai vu la photo, ils font la queue, quoi, c'est un truc de malade. Voilà. Il y avait du PQ, donc j'ai trouvé mon PQ. Bon, j'ai pris qu'un paquet, hein. Je n'étais pas allé faire mes courses pour dévaliser le magasin, mais bon. Donc voilà, donc là on attend le bus et puis on rentre. En rentrant, bah je sais pas, je nettoie les sols, mais à mon avis, ça je le ferai tard, comme il pleut et tout, ça sert à rien de le faire maintenant. Et bah voilà, je vais essayer aussi de faire la cabane la cabane à Pilou. Comme ça, il sera bien au chaud dans sa cabane ce soir. Allez, je vous laisse et puis je vous reprends après. Bon, ça y est, on est rentré. Bon, on est mieux chez soi. Franchement, il fait meilleur. Les chauffages, ils allument. Aïe, je me fais mal. Les chauffages, ils étaient allumés tout à l'heure et dehors, ils caillent, je vous jure, un truc de malade. Mais bon, voilà, il pleut, il caille, mais bon, c'est bon, on est rentré. Là, je vais me motiver pour faire la cabane pour Pilou, pour dire qu'il est la cabane bien au chaud ce soir, parce que, bah voilà, comme je vous expliquais tout à l'heure, Pilou vit dehors. C'est un chat dehors, et si je le laisse rentrer, il me fait pipi partout, dans tous les coins, dans les habits, sur les jouets, partout. Et franchement, ça pue après. Un chat qui fait pipi comme ça, franchement, ça pue. Donc du coup, bah, il est sur le balcon. Et voilà, il se balade sur les toits et tout. De toute façon, c'est un chat, il vivait toujours dehors quand on était dans l'ancienne maison. C'est peut-être ça le changement, comme je disais, bref. Du coup, je vais lui faire ça après. Comme ça, il sera au chaud ce soir. Enfin, après, là, dans 6-10 minutes, là. Je vais enlever mon manteau, j'ai toujours pas enlevé mon manteau. J'ai été checker un petit peu mes notifications, mes messages Instagram. Et bah voilà. Voilà. Donc là, je vais faire ça. Et puis les enfants, ils ont goûté aussi. Hein. Ils ont goûté. J'avais trouvé un pain brioche là. Donc du coup, j'ai pris du pain brioche et du Nutella. Donc du coup, on a goûté un petit morceau. Même moi, j'ai mangé une tartine. Et voilà. Ce soir, mon conjoint, il veut faire des croque-monsieur. Donc. Ce sera croque-monsieur avec de la crème fraîche, du gruyère, machin. Ça va être bon aussi. Et voilà. Allez, j'ai un coup de barre. J'ai chopé un coup de barre dans le bus, là ça va mieux, mais il est encore un peu là. Du coup, je vais vite me motiver, parce que autrement je bougerai pas.
Bon, j'ai fini ma cabane. Enfin, je suis un peu blasée, j'ai complètement merdé. Du coup, les planches, bah voilà. J'ai un peu honte de vous la montrer, hein, je vous le dis. Mais bon, au moins, ce sera toujours ça, ils seront toujours à l'abri. Je vais leur mettre leur coussin et puis voilà. Ah, je suis blasée. Bon, allez. Enfin, la prochaine fois, j'en ferai une autre. Et cette fois, je vais bien mesurer tout. Là, j'ai un peu bricolé à l'arrache, en fait. Et bah voilà. Voilà, voilà. Bon, là, ça va à peu près. Hein. C'est la petite porte, tout ça. J'ai pas mis de fond parce que je vais mettre leur coussin et puis parce qu'en fait, j'ai plus de planches. Donc, du coup, bon, bah, de toute façon, ce sera pour dépanner. Hein. Et là, c'est une catastrophe. C'est vraiment du. Bah, du bricolage de crade. Enfin, je sais pas comment dire, en fait. C'est franchement, mais bon. J'ai fermé comme ça, j'ai cloué des petites planches comme ça pour dire qu'il n'y ait pas d'air. Au-dessus, je mettrai un quelque chose pour dire de cacher la misère et comme ça, l'air, elle passera vraiment pas. Et bah voilà. Voilà, voilà. Donc, bon, bof. Bof, bof, bof. Ah là, je suis vraiment pas douée. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais bon, au moins, ce sera mieux que d'être... ils sont sous le siège, le fauteuil de jardin, en fait. Enfin, Pilou se met sous le fauteuil de jardin. Et du coup, il y a des petits trous qui laissent passer l'air et tout. Là, au moins, il sera vraiment bien à l'abri. Et voilà. Voilà, voilà. Donc, ça peut pas être pire de ce qu'il est là. Hein. Je suis blasée, je suis blasée. C'est moche. C'est moche. Enfin, bref, c'est comme ça. Bon, moi, je vous laisse. Là, mon conjoint commence à faire à manger. Puis, du coup, j'ai un peu de ménage à faire. Heureux à tous. Là, il est 20h20. On a mangé tout. On a fait des croque-monsieur. Du coup, mon conjoint voulait faire ça. Moi, j'avais pas trop envie dessus. Et il les a fait à sa façon avec de la crème fraîche, de l'ail. J'ai mis des blancs de poulet à la place du jambon. Enfin, bref, de la crème fraîche et tout au four. Franchement, c'était trop bon. Il m'en avait fait 3. Je pensais pas que j'aurais mangé les 3, bah je les ai tués. Franchement, c'était vraiment très bon. Merci mon chéri. Franchement, c'était bon. Et là maintenant, bah je vais aller me doucher. Ça aussi, ça va faire du bien. Puis après, il y a Coco ce soir sur M6. On avait été le voir au cinéma, ce dessin animé là. Les enfants, ils l'avaient revu après, en streaming. Ouais, elle vient toujours. Et du coup, Coco. Les cheveux. Oh, les cheveux. Oh, toi aussi, tu vas aller te laver. Quoi, salut. Qu'est-ce que t'as, là? Attends, t'as un truc, là. C'est quoi? Qu'est-ce que t'as fait, là? Ah bah, bravo. Bon, bah, là, bobo. Fais bobo. Fais bobo. Ah, il est où, le ventre? Il est où? Il est où, le ventre? Attends, Lucie, elle est 18, hein. Ouais, mais la 6. Ah, il est où, papa? Coucou. Coucou, Brian. On va draguer Coco. Coco. Ouais, j'adore ça. Franchement, il est bien. Ouais. Non, franchement, il est trop bien. Ça, par rapport à la fête des morts et tout. Mais bon, je sais pas si je vais regarder avec eux ou je sais pas, je vais voir. Je vais voir. Bon, allez, je vous laisse, je vais vite aller me laver. Comme ça, après, je serai tranquille. Je pourrai me poser tranquille. Au revoir. Fais. Bonsoir à tous, alors je vous prends maintenant un petit peu, il est 21h44 avec les enfants, là on regarde Coco, il y a Kenzo qui regarde pas avec nous, qui joue au PC, et enfin il joue au PC et là il va regarder sa série, bref, et là il y a Lucie qui dort, voilà, donc on regarde Coco, nous on aime bien, il est pas mal, on est déjà allé le voir au cinéma, etc, les enfants ils s'en rappellent plus trop. Et moi, à mon avis, elle s'en rappelle pas du tout parce qu'elle était petite. Et puis, à chaque fois qu'on allait au cinéma, elle s'endormit. La dernière fois qu'on allait, c'était l'année passée. L'année dernière, en juin. Et elle s'est endormie devant Buzz. Donc, voilà. Du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, là, je vous avais fait une story sur Instagram, je sais pas, pour celles qui me suivent, etc. Sur l'après-shampoing, le petit Marseillais. Attendez, j'ai un appel. Bon voilà, appel terminé, donc je sais même plus ce que je disais, ça va pas aller, ce que je disais, ouais, genre, en fait je vous ai fait une sur Instagram pour vous parler de l'après-shampoing, le petit Marseillais, voilà, c'est vinaigre de trois fleurs, un truc comme ça, franchement j'ai le flacon en rouge, je vous montrerai si j'y pense demain, c'est parce que là j'ai la flemme de monter, mais au pire des cas la story de toute façon elle sera encore dispo normalement demain, voilà.
Du coup, j'aime bien, j'ai encore l'odeur et tout. C'est une odeur légère, mais franchement, elle sent bon. D'habitude, j'aime pas trop, comme je disais en story, les après-shampoings du petit Marseillais, niveau gel douche, shampoing, ça va. Et encore shampoing, ça dépend. Mais là, cet après-shampoing-là, j'aime bien. D'habitude, je trouve que c'est les après-shampoings-là, il faut mettre une tonne. Et là, non. Franchement, j'ai pas dû en mettre une tonne. Je crois que j'ai mis 3 noisettes. Après, j'ai la main légère aussi. Hein. Et nickel. J'ai pu me les coiffer après la douche sans nœud, sans rien. Franchement, bon, mes cheveux, là, j'ai ma belle-sœur qui doit me les couper. Hein, mais j'ai dit, du coup, bah, puis même là, avec le confinement, ce sera pas possible. Mais je lui ai dit, elle va me les couper, là, juste les pointes. Juste avant Noël, comme ça, voilà. Donc un petit bout à mon avis, ça. Tout ce qui est les poils, quoi, tout ce qui est abîmé. Voilà. Elle va me le faire. Voilà. J'ai aussi pris, parce que là j'ai un budget limité, j'ai pris un shampoing. Donc c'est la première fois que je prends, franchement, pour le prix et tout, je m'attendais à voir que ça allait laver mes cheveux, mais avoir les cheveux tout rêche. Et pas du tout. Et c'est la marque Carrefour, c'est un shampoing à œufs. Pareil, je l'ai partagé dans ma story Instagram. Et il coûte que 95 centimes. Alors, et franchement, même en lavant mes cheveux, bah nickel. Et il convient parfaitement. Donc, je pense qu'à l'avenir, je prendrai celui-là. La prochaine fois, j'essaierai aussi. Ils ont un vert. J'essaierai aussi celui-là parce qu'il est un petit peu plus cher, je crois. Mais voilà. J'aime bien tester les nouvelles choses. Et de toute façon, je vous en parlerai. Je vous en parlerai aussi sur le. Je ferai un article sur le blog, je pense. Pour les personnes qui me suivent sur le blog ou des fois dans la barre de recherche Google, et ben les gens aiment bien avoir un avis quoi avant d'acheter, donc du coup voilà. Bon, je vous laisse parce que là Coco il a recommencé. Re à tous, donc là Coco il est fini depuis un moment, hein. J'ai bien aimé, les enfants ont bien aimé. Bon, Emma elle est partie un petit peu avant la fin, 5 minutes avant, mais voilà, elle a dit moi je vais me coucher, je suis fatiguée. J'ai dit t'es sûr, c'est fini dans 5 minutes, c'est dommage de rater la fin à 5 minutes. Elle m'a dit non, je vais me coucher. Bon. Du coup, elle est partie se coucher. Là, Léa aussi. À mon avis, elle est un petit peu sur son téléphone. Brian est parti se coucher aussi. Il y a que Enzo qui est dans ma chambre qui regarde sa série. Voilà. C'est les vacances. Donc, il profite. De toute façon, c'est les derniers jours, là. On est demain, on est vendredi. Donc, voilà. À partir de dimanche, c'est rododo aux heures normales. 8h30, 9h. Voilà. Là, moi, je vais regarder le replay de L'amour est dans le pré, parce que juste avant, j'étais en live, sur un live d'une personne sur Instagram. Et je suis restée un petit moment. Donc là, je vais finir mon replay. J'ai vu que, en fait, je pensais qu'il me restait 2 épisodes à regarder. Et en fait, non. Là, je suis au dernier épisode et encore, je l'ai commencé depuis un petit moment. Il me reste... je sais pas. Je vais regarder combien il me reste. Bon, en fait, je sais pas combien il me reste, combien de temps il reste, mais bon, ça dure pas trop longtemps. Donc après, selon ma fatigue ou quoi, eh ben, je commencerai. Ah là là, mais j'en ai marre de bugger. Franchement, ça c'est tout moi, bugger à chaque fois. Avant, quand je buguais, je recommençais ma vidéo. Et en fait, maintenant, je dis bah non, pourquoi. Pourquoi est-ce que je recommencerai? C'est moi de toute manière, donc voilà. De toute façon, la vidéo, autrement, je peux la recommencer 20 fois. À chaque fois, je vais bugger à un moment, c'est obligé. Bref, du coup, je disais... Là, je vais regarder finir mon replay et après, peut-être que je commencerai à regarder Famille It's Itself sur TF1. Voilà, pour ma petite soirée, on verra ça après, selon ma fatigue. Sur ce, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.